Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réagir à une nouvelle vidéo FR. C'est un son qui est sorti le 7 décembre. Après voilà, moi je vois le clip. Donc est-ce que le son est sorti avant, comme d'hab, je ne sais pas. On va voir ça. Donc voici là, c'est l'artiste, c'est une chanteuse, logiquement. On va voir ce qu'elle donne, est-ce que c'est une rappeuse peut-être, on va voir. Love Story, c'est le titre. Featuring T2R, on voit ça, on voit déjà dans la description qu'il y a un premier album de disponible. Donc voilà, l'artiste a 461 000 abonnés. Et c'est déjà implanté. Elle s'est déjà implantée, ça va doucement. Premier album, les abonnés, demi-million, doucement. Il y a déjà 100 000 vues en 2 jours. Propre. Maintenant, quel est le contenu? Les prods là? Enfin, la prod derrière là, elle est. Déjà, t'arrives avec un instrument. C'est bon, hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Je connaissais pas du tout l'artiste et je trouve que c'est bon, c'est du bon son. Après, voilà, c'est un autre type de son. Comment tu peux le. C'est un son un peu R&B, voilà, féminin, on va dire. Mais ça passe bien, ça s'écoute bien. La prod, ça va, elle est propre, tu t'ambiances bien en tout cas dessus. Et la preuve, ils l'ont clippé en boîte de nuit, ouais, en club en tout cas.
Non, c'est propre à écouter. Il y a du taf derrière. Le gars, il pose super bien aussi. La meuf gère bien son truc. L'autotune est maîtrisée super bien. Enfin, je sais pas après s'il y a eu besoin beaucoup d'autotune. Mais ça n'a pas l'air d'être énorme le besoin. Peut-être ça a été juste ajusté. Donc, franchement, il y a une maîtrise assez forte dessus. Donc, les deux ont super bien géré. Mais ouais, un bon son, bon son, bon son. Je stream à fond. C'est du bon son. Il y a une bonne vibe. Il faut trouver la vibe. Après, je sais pas si c'est du. Comment on dit ça déjà là? Les mecs là qui font du yaourt au micro et après ils te balancent la démo derrière. Je sais plus c'est. Je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi le mot. Mais. Parce qu'il faut trouver la vibe hein, quand même pour aller chercher une vibe comme le refrain. Si elle l'a fait elle-même, chapeau, bah franchement respect. Mais voilà, après c'est toujours intéressant d'aller chercher des vibes, des trucs, d'autres même artistes qui peuvent le faire, etc. Donc intéressant. Top line, c'est la top line, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Tu commences à faire ton truc, après tu envoies le truc et tout. Donc top liner. Et bon son, bon clip, bien tourné. Voilà, je pense que elle doit avoir des bons retours. Je regarde ça. Elle a une belle voix. Et pourquoi elle fait ce genre de son? Ça va, elle est propre le son. Hein. Franchement, faut deux voix vont bien ensemble. Enfin des feats, je pense qu'il y aura une grande visibilité. Ah, c'est sûr que les feats, ça ajoute de la visibilité. Chaud les verres vides, hein, j'ai pas vu. Trop lourd, etc. J'ai l'impression que la musique est visée. Ouais, je connais pas. Du lourd. Oh, ça va. Il y a beaucoup de retours. Hein. Il y a des très bons retours. Après, je sais pas. Elle a l'air jeune. Je sais pas à quel âge. Je trouve qu'elle a l'air jeune. Après, voilà. Je sais pas si. Il y en a beaucoup de filles maintenant qui sont plus jeunes que leur âge. Donc. C'est en tout cas voilà là, commence bien un premier album je sais pas si le son il fait partie de l'album logiquement oui vu qu'en plus le titre de l'album c'est le même titre du son donc voilà le son il est bon je valide je stream à fond Spotify et non c'est sympa sympa à écouter donc voilà moi je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine ciao ciao.